Merci beaucoup. Le projet aujourd'hui, c'est la journée de lancement officiel de l'observatoire sur le territoire de la région de Ziguinchor. Mais l'observatoire sur le territoire, c'est un organe de veille d'alerte, ce que nous appelons communément une vidéo de surveillance citoyenne. C'est une vidéo de surveillance citoyenne pour la protection de l'environnement. C'est-à-dire organiser les communautés à travers deux organes, le secrétariat permanent qui regroupe des organisations de la société civile locale, des élus, c'est-à-dire représentants des maires, et un membre du secteur du CGP central, c'est-à-dire le comité central de gestion de la paix. C'est pour permettre de recevoir, de traiter, d'analyser et d'alerter sur les menaces qu'il y a sur le territoire, ce que nous appelons les menaces sur les biens naturels communs. Il faut entendre par biens naturels communs tout ce qui touche aux ressources naturelles, c'est-à-dire la forêt, c'est-à-dire l'air marine protégée, c'est-à-dire la sécurité foncière, la sécurité juridique foncière, mais aussi c'est tout ce qui concerne les rizières, les lieux de culte au niveau rural, mais aussi lutter contre des phénomènes tels que l'ensablement des marigots, tels que la salinisation des rizières.